Jacques Lebelizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité dans la région Moyen-Orient, cessez le feu dans Gaza, toujours dans le passage, après Israël rejeté un accord amasté accepté. Toujours dans l'international, la président Joe Biden accueille dans la Maison-Blanche roi Abdullah II, pendant que Xi Jinping, président chinois, trouvé dans le pays la France avec président Emmanuel Macron dans le cadre d'un viré-rond en Europe. Et puis, actualité dans le pays d'Haïti, conseil présidentiel transition, toujours dans l'impasse, côté jusqu'à présent, il n'y a pas arrivé joignant en tête finale sous choix coordinateur Edgar Leblanc-Fils et Premier ministre Fritz Belizer. Et puis dans le pays de la France, c'est la mort Bernard Pivot, une grande figure télévision et littérature. Et oui, c'est point ça, avec l'autre accord, nous allons développer pour un petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Madame Manakile qui côté Waptandi et regarder en même temps édition La Voix de l'Amérique. Ça, et à nous, bienvenue une autre fois encore sur le channel pour une nouvelle édition La Voix de l'Amérique qui nous porte pour aujourd'hui. Il y a parmi quelques autres grands points qui dominent l'actualité qui nous porte pour nous faire connaître le dossier guerre Ukraine là aussi. Et le service de sécurité ukrainien SBU a annoncé jeudi 17 mai 2024 l'arrestation des officiers de sécurité et bien, qui étaient soupçonnés comme monde qui a préparé assassinat président Volodymyr Zelensky dans le pays Ukraine. Bagaille compliqué. Ambassade pays Espagne annoncé yo ouvri porte pour tout le monde et tout service consulaire même y a fonctionné normalement pendant journée jeudi à la Martin Moïse fait gros déclaration tête chargée et madame ancien président Jovenel Moïse là li pas suspendre temps en temps pour faire petit tech bonni dans dossier pays a que yo même y a mal dirigé la police nationale yo même yo doit recevoir en fin mois mai au soir commencement mois 2024 là la 10 machines blindées qui donc bon bagaille va tomber dans main PNH là pour capable gourmer contre individu lourdement armé cap théoriser population ça plaisir l'autre n'a pas pour nous en dedans édition La Voix de l'Amérique ça mais pas oublier abonner avec channel là pas oublier activer cloche notification pour là mettre le sous tout pour pas rater aucune vidéo n'a pas pour nous porter pour sur channel si là on va perdre trop de temps n'a plago dans La Voix de l'Amérique là et puis devant n'a venir avec reste détail un gros point d'actualité internationale national là c'est difficulté pour joignon cesser le feu dans guerre Israël Hamas là et ben Hamas fin accepté un accord dans cadre et entente qui gagne entre lui-même avec Qatar et ben Israël lui-même bon côté pas rejeté accord là donc ça fait que et ben situation vient difficile pendant ce temps en pile et pression qu'a fait concernant une opération éventuelle que Israël t'a mené dans Rafah côté gain plus passé 1 million et demi même et palestiniens qui trouvé dans zone pendant ce temps ici aux États-Unis même gain étudiants pour les Palestiniens qui continuent à mener manifestation, qui a fait manifestation dans plusieurs campus. Nous allons rejoindre Valérie Celui depuis New York. Des blousailles manifestations dans le campus universitaire américain ont baissé après que le président Joe Biden t'ait parlé sous question. En effet, après que la Maison Blanche ait lancé des directives sévères pour rétablir l'ordre à travers le discours président Joe Biden t'ait fait, manifestations pro-palestiniens qui t'ait bouleversé le campus universitaire américain pendant plusieurs semaines qui sont passées là, t'ait dispersé à campus force après une série d'affrontements avec la police qui t'ait fait plusieurs arrestations. Dans Manhattan, New York, depuis commencement week-end, la police t'a nettoyé un campement étudiant dans New York Université. L'officiel de l'école t'a affiché une vidéo sur réseaux sociaux qui montrait manifestants qui ont sauté en battante. Et la police qui t'a déblayé espace là après que tu aies bail l'ordre pour te déplacer. Jeudi, espace côté manifestation de fait paraît relativement calme, comparé avec des blousailles qui étaient faites dans l'autre campus à travers le pays et à travers le monde. Côté que manifestation contre la guerre Israël à Hamas dans Gaza t'est multipliée dans la semaine qui s'est passée là. Administration universitaire qui t'a essayé de balancer entre droit pour monde protester avec complainte que y'a recevoir pour actes violence, avec discours raïssement, incitation à la violence, t'es de plus en plus obligé officiel de faire appel à la police pour retirer manifestants avant déroulement examen fin d'année et cérémonie de graduation. Dans l'University of Chicago, président de l'école a dit qu'il a parlé avec manifestants sous compromis, il a échoué. Il a indiqué que l'université a été obligée d'intervenir dans le camp étudiant pour joindre résultat. Et même jour, plusieurs douzaines d'étudiants contre manifestants, drapeau dans main, ont débarqué sous campus de l'école pour confronter groupe étudiants manifestants pro-palestiniens dans l'école. Mais heureusement, la police est débarquée pour venir séparer deux camps, selon sa média locale rapporté. Plus passé 2000 arrestations ont été faites pendant 2 semaines qui sont passées là à travers les pays États-Unis. Président Joe Biden, qui a fait face à la pression politique sous conflit à Gaza, a parlé pour première fois sous mouvement manifestation étudiant jeudi passé. Il a dit que l'ordre doit dominer. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent. Nous pas une nation autoritaire côté que nous fermons bouche moun. Biden t'a parlé comme ça dans une adresse courte que il t'a fait dans Maison Blanche là. Il a ajouté. Neither are we a lawless country. We are a civil society. An order must prevail. Mais tout nous pas un pays sans la loi. Nous c'est une société civile et puis l'ordre doit dominer. Officiel l'école t'a dit que il t'a arrêté plus passé 200 moun qui t'a manifesté depuis après discours président Joe Biden.
Républicains ont critiqué président Joe Biden pour trop tolérance li sous ça yo dit qui c'est sentiment antisémite dans mitan manifestant yo. En tant que président, t'a fait face à une opposition dans propre parti pali pour si poli pour offensif militaire Israël là. Pendant ce temps, manifestation étudiante est prenchée dans plusieurs pays à travers le monde, tant qu'en Australie, la France, Mexique et Canada. N'a rappelé que la guerre Gaza a commencé les militants Hamas ont organisé une attaque sans pareil sous peuple Israël là dans date 7 octobre là. Ça qui était la cause la mort plus passé 1170 moun, surtout des civils d'après un officiel israélien. Peuple Israël là estimé que 128 otages rité dans Gaza. L'armée israélienne dit 35 là-dedans ont mouri. Yon l'autre bord représailles offensif Israël là t'étouillé plus passé 34600 moun dans Gaza. Parmi eux, t'es surtout femmes et moun d'après ministère santé territoire Hamas là a dirigé. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Et puis mise à jour concernant guerre Israël-Hamas là, c'est que Israël fait rejeter une proposition que Hamas saute lui-même accepter. Israël dit c'est une proposition qui est inacceptable. En allant ça pibri. Yon gros suspense continue à peser sur Rafah après Israël rejeté. Yon proposition Hamas te accepté nan yon entente cessez-le-feu Qatar ak Egypte fèl avec objectif pour suspendre guerre Israël-Hamas la qui rentre nan 7e mois. Anons sa fête nan mouvement palestinien yo nan l'est Rafah te commencé à abandonner ville la après Israël passe l'ordre pour évacuer zone nan. Gen plus passe yon million palestinien qui prend refuge nan Rafah. Autorité israélienne kwè que gen plusieurs milliers militants Hamas qui caché nan zone nan ak otage. Vendredi passé, États-Unis te déclaré yon attaque nan ville la qui tout près Égypte capable mette en danger la vie plusieurs milliers moun. Israël continue dit yon opération nan Rafah nécessaire pour détruire Hamas tandis que États-Unis, Nations Unies ak pile l'autre pays, yo bay état hébreu yon pinga contre possibilité yon catastrophe humanitaire si vraiment li ta mené yon gros attaque terrestre nan zone nan côté moitié population Gazaria prend refuge. La Maison Blanche fait connaître président Joe Biden parler nan téléphone jodi ak premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sous dossier. Ministre défense américain Lloyd Austin te parlé tout sous en conversation li te gen hier dimanche là sous question ak tokay israélien n'a parlé de ministre défense israélien Yoav Gallant. Guerre Israël Hamas là c'est une question qui prioritaire tout dans rencontre président américain Joe Biden qui accueille jeudi lundi à dans Washington Wa Abdallah Jordani pour chita parler dans la Maison Blanche. Wa Abdallah t'est déjà rencontré semaine dernière avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Amman côté ont abordé GFOR pour joindre un cessez-le-feu dans Gaza entre Israël et Hamas sans oublier GFOR jordanien yo cap voyer assistance humanitaire dans Gaza et au même tout appeler joindre la paix durable dans région avec cohabitation deux états yo dans conflit israélo-palestinien. Faut dire que président Joe Biden et Wa Abdallah abordé sujet ça dans une réunion en février passé dans la Maison Blanche. Et puis, actualité région Moyen-Orient est présente tout dans une rencontre d'État entre président chinois Xi Jinping et président français Emmanuel Macron dans le pays de la France à côté de guerre en Ukraine qui a été parlé de l'ITU et question commerciale. Visite Xi marqué 60e anniversaire relation diplomatique entre la France et la Chine. C'est première étape yon vireront en Europe depuis l'année 2019, voyage qui pourrait mener tout dans Serbie et la Hongrie. Président Xi gen pour le faire, yon chita parlé jodi à dans ville Paris avec chef commission Union européenne Ursula von der Leyen après l'étape pral participer dans un banquet que président Macron organisé dans l'occasion visite d'État ça. Et oui, tant qu'on et ben actualité dans la région Moyen-Orient, et ben yo toujours dans plusieurs points dans planète là. Et puis l'autre point dans actualité a, et actualité internationale, nous parlons d'Amérique latine côté que pays Panama lui-même li pral gagner un nouveau président avec une politique surtout qui différent sous question immigration. Marie-Louise Pierre. José Raúl Mulino te dit que il était pratiquement prêt en retraite dans la politique. Ça gagne un petit crasse plus passé 6 mois. Kunila, il est élu président Panama pour 5 années qui venir. Pendant qu'il était campé devant un paquet de supporters dimanche soir, Mulino te dit "Non, imaginava este escenario." Moi pas jamais imaginer ça. Dans une élection historique qui était gagné en pile tête chargée la donne, résultat préliminaire mettait Mulino devant pour diriger nation Amérique centrale là qui dans un moment côté qui gagne tension politique, problème migration historique et une économie qui en difficulté. Avocat qui gagne 64 ans qui dernier position en politique c'était comme ministre sécurité dans administration président Ricardo Martinelli dans époque 2009 à 2014. Au commencement ancien leader populaire était utilisé pour le vin compagnon candidat après madame Martinelli était refusé. Mais le ça Martinelli était disqualifié dans la course là, après l'été condamné pour le passer plus passé 10 l'année dans prison pour une condamnation pour blanchiment d'argent. Mulino était prend place li, et il était fini par gagner élection présidentielle dimanche là à 35% de vote avec un avantage 9 points sous adversaire qui pi prélia après l'été esquivé défi constitutionnel pour propre candidature li. Président élu a arrivé là avec support solide dans même Martinelli sans manque d'outils qui pi important dans campagne Mulino pendant l'été monté popularité ancien leader du feu dans victoire li. Pendant que li manquait charismatique Martinelli boom économique yo te wè en bas allié li a te poussé en pile
électeurs supporter Molino dans un moment que l'économie Panama a été un problème. Ancien président qui était dans l'ambassade Nicaragua depuis février, après les fins de recevoir asile politique, dit confiance qu'il gagne pour Molino, c'est une confiance qu'il a depuis 30 années. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. C'était Actualité internationale là et Haïti dans un petit moment. Donc c'est équipe VOA en action. T'as qu'on te promet nous parler d'actualité à en Haïti. Habitants Badelma, oui ce matin Bel Air, pour citer ça seulement, manifester dans zone nan pour yo et dénoncer exactions que y a subi en main police nationale. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Massiado Vilmé. Plusieurs citoyens et citoyennes qui ont participé à la manifestation ça critiquent le comportement de la police à travers une machine blindée institution et dit qu'il n'y a pas de suspens tirer sur la population civile. Là. Et pas tout le monde Badelma qui a des armes. Et pas tout le monde Badelma qui a dit. Nous sommes dans l'arrière pour la police qui nous tiche. Depuis ce monde Badelma, nous partageons de l'eau pour le bruit. Depuis la machine de l'eau entrée, après le monde Badelma de l'eau, nous faisons retourner. Nous allons mourir dedans à grand goût. Nous ne pouvons pas faire pour petit monde, nous ne pouvons pas faire petit commerce. Depuis nous, T-shirt, tout le monde s'est boisé. T-shirt pour grand monde, libre jeune femme, libre petit monde petit. Nous pouvons faire T-shirt ça. Parce que, quand il y a fait $4,000 américains pour faire mes tailles, Rodelma et Gérald Pétionville. Nous-mêmes, c'est 15 000 gouttes nous avons gagné, 20 000 gouttes, c'est dans le toit, c'est là où nous avons arrêté. Pour la récapote dans le ghettoir, la police n'a pas responsabilité de l'homme. L'opre, nous avons des chefs qui ont soit. Il prend balle dans la bouche jusqu'à ce qu'il ne soit pas opéré. Je sais le secret. C'est prêt blindé. Mettez mon blindé, venez tirer sur mon en bas d'Elma. Nous-mêmes nous disons, c'est toi, toi, l'État ici. L'illégalité ou l'État ici pour responsabilité. Si on l'État qui appelle, je ne sais pas prendre une équipe de 10 mètres dans blindé, venez tirer sur mon. Banque commerciale et magasin qui n'ont pas d'Elma rete ak pòt yo fermé à cause action gang vivant sans yo a mené dans zone si la. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Nous t'es en vain joindre contact avec porte-parole là Gary Desrosiers que nous pas réussi joindre. Donc n'a continuer pour nous gagner réaction police nationale sous question. Et puis l'autre point d'actualité toujours concernant pays d'Haïti, Zak violence gang armé continue augmenter dans Port-au-Prince ça qui la cause plus moun couri quitter caillou. Sandra Lemaire gain détail. Gang armé a attaqué plusieurs quartiers dans Port-au-Prince côté au Boulekay et puis troqué coups d'âme avec police nationale là pendant plusieurs heures de temps jeudi dans ça qui représentait une plus gros attaque qui déroulait depuis qu'a été annoncé nouveau premier ministre là. Attaque a déroulé mercredi soir dans Solino à Delma 18, 20 et 24 au sud-ouest aéroport international là. Aéroport a toujours fermé à cause de violence gang yo. C'est des armes très lourdes. Donc c'est situation d'affaires pour nous vivre là et que et tout particulièrement hier soir nous-mêmes tout particulièrement nous sommes là en limite 18 tout est à 18 et 20 24 tout environnement net c'est du feu c'est balle tout ça qu'on a passé une nuit très très bouleversée avec des tirs énormes pendant toute la nuit mais notre Dieu règne encore. C'est chef gang armé G9, allié à Famian, Jimmy Cherizier, un ancien policier que nous connaissons comme Barbecue, qui contrôle les zones côté attaque la tenancea. La police l'a gagné responsabilité à sous dos monsieur à l'autre chef gang pour attaque coordonnée qui était en main 29 février tout partout dans la capitale là, Port-au-Prince. Michel Pierre lui-même décidé à vivre au Cap. Moi subi sous bagaille gang ça.
bagay gang ça fait me retourner presque en façon pour me ta courir pour me perdre tête moins pour me l'amouer mais c'est parce que me gen Jésus qui kembe me toujours là. Moi quitté Port-au-Prince avec un chagrin, avec une tristesse, avec un cœur serré, avec un la peine dans kem à nos jours pour qu'a fini. Dans Port-au-Prince parents te kembe mes petits yo bien fort et puis prend courir dans direction quelque pami abri qui était déjà chargé couler bas à monde. Il y a l'autre qui quitté capitale là pour y aller chercher refuge dans l'autre côté yo gen zanmi à famille. Kounye a que nouveau leader prend tête pays a, haïtien mandé yo prioriser sécurité. Dans moment gang yo a balé terrain et puis vin pi puissant. A pi bien amé passé PNH là. Insécurité a non seulement la cause plusieurs milliers de moun obligé courir quitter Kayo, mais tout li déclenché yo insécurité alimentaire catastrophique. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis toujours sous même dossier, il y a un correspondant nous Yves Manuel, lui même qui t'a laissé parler avec quelques déplacés qui dit si c'est pas quelques ONG ou t'as mouri déjà. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. C'est avec un pile difficulté moun ki kouri kite kayo en bas violence gang armée a viv sou différents camps déplacés dans région métropolitaine Port-au-Prince lan. En plus problème infrastructure déplacé sa yo pa jwenn bourgade de l'état qui violer droit yo gagnen pour yo vivre la kayo en toute sécurité. Certains en déplacé yo qui sorti dans lycée Jean-Marie Vincent dans Tabac te recevoir week-end passé en visite coalition jeunesse pour intégration. Visite ça selon Alain Alfred responsable organisation visait accompagner c'est là où qui pi faible dans société. Certain que tout le monde connaît aujourd'hui, nous gagnons une société côté qui pas aucune institution dans l'état qui censé fonctionner et alors que population ça boit, c'est les gars qui ont fait la loi et nous avons pile compatriotes qui obligés à vivre dans des situations difficiles et qui sont capables de joindre malheureux par accompagnement de l'état. Donc son signal pour nous voyez par communauté pour dire que il y a des haïtiens qui engagés bénéficiaires qui profiter occasion pour remercier organisation ça cap milité dans le domaine droit monde. Moi vraiment apprécier ça et me féliciter responsable là qui toujours bam le bras avec monde ça dans le besoin qui toujours fait jeune possibilité la manger et pour les nécessités. Moi son gros bagaille. Ma petite partie chiche mais nous dit merci avec monsieur Alain avec organisation Projecto. Nous remercier pour cette belle initiative ça te prend pour que bay monde école nationale Jean-Marie Vincent qui ça. Gain plus passé 160 000 monde qui actuellement déplacé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Selon l'Organisation internationale pour migration. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Docteur Kono Kapabouel, question sécurité, c'est un gros défi qui devant nouvelle équipe, équipe gouvernementale là. Et c'est comme ça que le ministre démissionnaire éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga, a parlé avec VOA Creole, quand elle parlait de plan pour gagner un examen officiel malgré situation sécuritaire, l'été dans le micro. Et collaborateur, Gentil Augustin Junior, qui présentait nous un reportage. Dans le cadre d'une interview exclusive, le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale et professionnelle haïtien, Nesmi Maniga te by VOA Creole, lui expliquer comment et pour qui ça a bien examen l'État année 2023-2024 là, malgré toute la troublaille qui gagne en Haïti, et spécialement dans le département l'Ouest là. Ministère, tu prends une décision de remanier calendrier, ou parce que visiblement, Jean Pays est en grande difficulté, même département qui n'est pas trop affecté, eh bien, moi, j'ai un temps impossible pour l'examen officiel de fait. Nous avons plus de temps pour l'apprentissage continuer. Pendant le ministère, pour aller faire notre public sortie dans le jour qui vient là, pour expliquer plus bien, version 2024, ça nous relève apprentissage dans le temps difficile, et puis compensation apprentissage dans le temps difficile, qui ça, a essayé de rattrapage, mais qui plus que rattrapage. Mais ça, pour nous dire, non, pas de presse en particulier, l'examen, déjà, nous n'avons pas fait la même date avec l'autre département. Il y a quelques communes dans la Tibonite qui n'ont pas fait la même date. Directeur départemental yo avec direction l'école publique privée avec association parents d'élèves yo yo même yo pas gain pour ouais ensemble dans qui moment le apprentissage fait parce que le ministère peut focus sur ça qui date et qui moyen yo pas mobiliser centre permanent évaluation qui même là pour faire examen l'examen pas possible dans moment examen possible pour élève qui décide qui paraît pour passer examen donc c'est comme ça son bagage géométrie variable. Ça qui paraît pas le paraît dans date examen officiel, ça qui peut paraît continuer à prendre jusqu'à ce que année nous espérer situation sécuritaire pour améliorer dans jour qui va venir là pour nous ta boucler année sinon nous on a bien difficulté parce que nous pas ta souhaiter que ministère obligé ouvrir année l'école là en deux temps un groupe qui commencer dans mois septembre octobre et l'autre mois qui a commencé en hôpital bien que ça fait déjà dans pays malheureusement. D'après le ministre démissionnaire, ce n'est pas la première fois que ministère a travaillé pendant une période de crise. Et fait qu'on est tout, yon ti moun pas obligé de retenir un examen chaque année pour le composer, mais depuis le senti li paré, li ka al prend examen. Ministère a continué à parer
pour que notamment nous fassions mettre en place un dispositif en juin 2022 qui est le centre permanent d'évaluation. Il fonctionnait un petit peu à mon modèle en plus l'autre pays prend, côté que ce n'est pas une convocation officielle du tribunal composé. À tout moment, on apparaît, il doit frapper pour ton district scolaire. Il dit, il me paraît pour passer tel examen. S'il était malade, s'il était fait mal, joue ça. Il n'a pas besoin d'entendre quoi année passée. Que c'est là l'État pour recommencer à faire l'examen officiel. Là, il fait l'examen. Eh bien, si on est capable de faire l'examen, le paraît. Le senti le paraît. Dans l'intégralité de l'interview, M. Maniga te fait connaître éducation, c'est clé développement. Et c'est un moyen tout qui est capable d'aider à résoudre les problèmes d'insécurité qui va le terrain tout partout en Haïti. Gentil Augustin Junior, Washington, VOA Creole. N'a pas les politiques et conseil présidentiel transition toujours en grande difficulté côté que pour qu'on joigne une entente totale sous après nomination et coordonnateur conseil là en parlant de Edgar Leblanc fils et choix premier ministre là Fritz Belizer. C'est comme ça différents secteurs a fait pression sous conseil présidentiel transition pour demander chercher joignion entente entre eux nous gain sous place n'importe prince ou dans tout ça. Par rapport à désaccord qui enregistré dans mi-temps 9 membres conseil présidentielle transition à cause façon groupe yore les majoritaires utilisés pour désigner Fritz Belizer comme premier ministre haïtien mardi 30 mai 2024 là plusieurs personnalités politiques parmi eux ancien ministre majoré Michel et ancien député Jacques Beauville levé la voix pour demander conseiller présidentiel yo chercher venu en temps rapide pour débloquer situation si on le conseil là a voyé ça commence à faire nous que nous poko ouais sorti nous dans ça nous là. Quoi que vous ne voulez pas mettre tête ensemble, vous ne voulez pas agir ensemble, les gens qui ont fonctionné, c'est pour que le pays a vivre une situation normale. Le pays a vivre une situation très difficile. Ça, je dis à tout le monde qui compose le conseil présidentiel, ça, c'est garder nécessité en dehors de l'intérêt de groupe, en dehors de l'intérêt personnel, pour mettre tête ensemble. Nous montons au conseil avec des partis politiques, les forces vives du pays et de la nation. Mais donc, nous avons dit, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, c'est pour nous transcender. C'est pour nous quitter l'intérêt mesquin, pour parler dans le pays, c'est Haïti, parce que le peuple attend nos bagages. Oui. C'est eux-mêmes qui vous font politique. C'est politique qui gâte, c'est politique qui vous range, c'est même jamais d'avoir fait accident dans la machine. Non. C'est machine qui prend qui mène dans l'hôpital encore pour aller sur la vie. Ancien ministre Major Michel, avec ancien député Jacques Beauville, quoi, nouveau dirigeant Sayo doit réunir les conditions nécessaires pour capable attaquer ensemble problème social et économique. Le peuple a souffert, malheureux, pas qu'à manger, malheureux, pas qu'à boire, malheureux, pas qu'à l'école, pas qu'à loisir, pas qu'à cinéma, pas qu'à rien qu'à faire, c'est l'insécurité sur toute la ligne. Donc, je vous dis à maintenant que faire. Pas qu'à l'autre bagaille, pas qu'à l'autre bagaille, s'il y a un conseil qui conseille à mettre à la hauteur des tâches. Li. Nous avons un pays qui a été net, pas même à genoux, pays à plat à terre. C'est compréhension nous chaque, c'est compréhension tout secteur politique, social, économique qui vous mettre ensemble, en transcender, en quitter différents que nous gagnons pour une fois nous aider pays à nous aider peuple haïtien si nous disons nous aimer. Pendant ce temps, j'ai population braqué sous conseil présidentiel transition qui doit travailler coûte que coûte pour résoudre problème insécurité, spécialement d'après Saoudi, Wena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et qu'on a nous prêts dans Jérémy pour nous joindre l'autre réaction concernant le conseil présidentiel transition avec Mackinson Charles. Plusieurs citoyens dans ville Jérémy baillent opinion pendant le week-end sur le conseil présidentiel là. C'est cas pour ancien magistrat commune Beaumont dans le département grand dans ce pays d'Haïti, Alexis Faveur, même s'il n'est pas fini trop d'accord avec la question conseil là, mais il estimait dans la situation pays arrivé là, il souhaitait qu'il y ait un conseil là pour rétablir l'ordre public à qui on retourne dans l'ordre constitutionnel. Question conseil là, moi-même personnellement, et c'est pas un bagage que trop d'accord avec elle parce que l'aime qu'on est et nous même haïtiens comment nous y est nous difficile pour nous entendre nous trois monde qui n'ont qu'à telle mairie ou un problème qui gagne malgré ont fait campagne ensemble mais l'arrivée là avec conseil qui gagne 9 membres qui sont dans divers secteurs il pas facile pour nous entendre et au commencer voir ça déjà mais nous pensons dans ça nous y est là faut sortir là-dedans parce que la population souffre trop aujourd'hui nous pas capable encore. Nous pas capable encore et c'est pour ça quel que soit ça nous joigne qui ca faciliter que nous sortir dans ça nous y est là nous obligé qu'embé mais avec et que pour mener nous dans l'élection pour que nous capables retourner la normal jodi en son question sécurité et moun ki nan conseil là si ça yo pas capable responsabilité ça parce que nous sommes passé 32 mois là hein nous est ça baille kounya nous pas capable venir recommencer n'en perdre temps faut conseil à mettre le travail rapide pour que question sécurité li commencer attaquer pour Dorsina Jabel qui c'est un citoyen qui a suivi de près évolution conseil là même si lui-même il est d'accord mais il estime qu'il y a un retard par rapport à ça qui était doit être fait dans avancement yo attaquer monde qui a suivi depuis la préparation conseil là
me senti que pour moi-même qui concerne en retard parce que et ça moi capitaine ni ça le pour le faire pour moi-même passer son conseil qui t'a pour finir avec critère du président premier ministre et gouvernement et ça fait mon petit en plus et bien dans conseil là l'on parler de conseil on parler de un gouvernement ça le public parce que ça me vient moi tout parti politique là et c'est ta une chance pour que le pays a ta gagné là jodi là pour que et ça passe de à terre là pour pas arriver encore parce que nous gros pays moun pa ka marcher moun pa ka faire une porte tout moun en prisonnier la caillou moi-même moi encourager référendum non et puis sécurité là c'est premier bagage que tout moun attend avec élection à la suite. Germain Lesage lui-même souhaitait pour pays à joindre une chance à conseil ça pour rétablir sécurité sur tout territoire. Je souhaitais peut-être nous avoir une chance avec neuf membres qui, en tant que humain, en tant que monde, qui t'a dit qu'ils voulaient la sécurité dans le pays. Les propres nègres qui créent une sécurité en eux, ont choisi un territoire pour tout le monde qui vit bien. C'est qui Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. Et puis dans le pays de la France, c'est l'an mort Bernard Pivot, une grande figure dans la question télévision, dans la question et littérature que Haïti a remis tout. Et il a gagné un problème cancer, donc il mourit. Dans le pays de la France, moi c'est Jacques Lavelizer. Bonsoir. Ça raconte des histoires de jeunes gens. L'autre information que nous portons pour vous, bien, nous prenons le dossier qui est pour avec le canal sur Rivière Massacre. Et bien, Rivière Massacre, dans les nids, vous savez, là, qui a passé, qui a fait gros lavalas, qui a porté aller en pile détail. Et pendant une hier soir, pour une matin, là, selon information qui était en pile, qui est sauté côté Rivière, si là, lui-même, il était débordé, et bien, qui passait dans le canal là, qui portait en pile de l'eau, qui d'après le passé, et bien, il en pile qui est sauté. Mais, selon information que nous venons, et bien, l'eau, lui-même, il n'est pas crasé canal là mais il fait quand même quelques petits dommages et bien c'est peut-être ça tout bien bonnet appel t'a pas lancé avec diaspora qui était déjà commencé bailler l'argent pour continuer soutenir canal là une façon pour capable fin faire grabir parce que dans jamais massacre lui même il faut il là si toutefois canal là il pas bien fin fait et bien il pas capable supporter ces coups massacre lui même la porter pour lui à rappeler et bien d'après Aibopos et bien pour faciliter construction canal là qui c'est canal irrigation qui sur rivière massacre là et bien donateur local yo kou à l'étranger yo tabay 2 millions de dollars américains ça nous te dit faut qu'on et bien environ 43 millions de gourdes gè en pile dans l'argent ça qui dépensé jusqu'à présent qui pas ka justifier ou bien qui pourquoi jamais justifier gè dépenses tout qui passé plusieurs fois pour même achat bagay yo yo gen des discussions mais moun pas besoin quoi dans des matchs ça yo cap parler parce que des fois c'est plié yo c'est divisé pour capable mettre dans mitan gain plusieurs journalistes tout qui t'a joindre jusqu'à 150 000 gourdes pour juste pour faire reportage travail canal là et gain policiers tout qui gratifié malgré l'état payé mes amis c'est tout c'est par l'empile membre comité gratifié tête yo même soutien avec 25 pour 120 000 gourdes selon comité à la ça les même qui rit dans caisse là qui pap ka fin fait travail sur construction canal là mais par l'empile qui gagne diversion gagne c'est pour division qui donc moun pas besoin trop ba yo important c'est canal là nous avons besoin ce canal là pour nous continuer à contribuer pour nous faire une façon nous même pour nous capable joindre l'eau pour nous pas soutenir monde devant voisin les même qui était déjà dans bataille avec nous sur dossier qui est pour avec dossier canal là que nous même nous t'a construit sous rivière massacre pour elle là travail pas manque en pile et bien j'ai te commencer collaborer c'est collaboration pour nous faire et bien pour nous capable finir avec dossier canal qui sous rivière massacre là dans dossier ambassade pays d'Haïti et ambassade pays l'Espagne yo annoncé que yo l'ouvre pour tout le monde et tout service consulaire yo même yo déjà a fonctionné normalement c'est ambassade la même ambassade pays l'Espagne qui annoncé nouvelle là sur compte officiel Twitter yo même jeudi mardi 7 mai 2024 là et dans ça ou même qui te gain pour régler certains dossiers dans consulat ou question visa et bien l'autre détail et la trier et bien ou capable rendre nous dans local ambassade Espagne qui trouve le nap et d'Haïti pour le prendre service. Qui donc, il reprend le travail. Après, plaisir, l'autre commence à reprendre le travail là. Puis la France annonce. Eh bien, ambassade, timidement commencé après l'ouvrir sa guerre était bloquée à la c'est aussi vol avion qui vous soutient dans le pays d'Haïti. Même ça pour qu'on finisse par être malgré gain. Avion militaire qui toujours a pile sur la main avion commercial yo pour qu'on capable rentrer dans pays d'Haïti dossier guerre là aussi Ukraine mais chaque temps là qui a passé des une phase avec une autre fois passé à ministre affaires étrangères pays là aussi ya ou bien ministre intérieur a mis côté yo mis avis de recherche de
Volodymyr Zelensky qui est président ukrainien. Pourquoi il est là? Eh bien, dans le dossier de ça, bagaille même il de temps en temps à changer phase côté service sécurité ukrainien qui est SBI. Eh bien, il même annoncé jeudi mardi 7 mai 2024 la arrestation des officiers sécurité. Donc, des officiers sécurité, ça c'est pas n'importe qui non qui ont arrêté. Eh bien, c'est des officiers même qui soupçonné comme monde qui t'a préparé assassinat président Volodymyr Zelensky lui-même qui c'est président Ukraine et bien avec l'autre gros responsable pays et bien Ukraine yo en bas code selon Kiev monde ça eux-mêmes c'est des responsables service l'état ukrainien renseignement pays là aussi lui-même l'état requitté qui donc des pourtant de bataille ennemi a commencé à sauter en dedans et bien guerre les mêmes les commencer changer phase donc si yo gitan a chercher moun même yo te jovenel te trahi pa propre sécurité dans pays d'Haïti côté gen Dimitri Ra pourquoi il là n'a vinn avec pour pi devant dans dossier plaisir côté la police yo metté sur site officiel policier yo publié en pile moun qui gen pour avec nèg qui t'échapper dans prison yo et bien c'est même si pas de gagner bon gens de sécurité ou bien bon gens service intelligence et bien yo pas capable de découvrir responsable ça yo même qui c'est qui gen pour avec sécurité pays Ukraine pour papa président ukrainien qui c'est Zelensky et bien yo découvrir nèg ça yo té déjà à préparer plan pour assassiner président Sila. Donc Haïti j'ai un service intelligence a bien bien rapide nous t'ap kembi nèg yo t'ap fait complot contre président Jovenel Moïse malgré pile information fait qu'on est déjà parlé mais jojo li même li pas de bail ça trop importance nèg yo té fini par assassiner mais ça déjà manqué rivé président ukrainien qui non bataille manche calé avec pays là aussi. Selon madame Martine Moïse qui par exemple pas fait tweet li là et bien li posté sur compte Twitter li pendant journée jodi a là ça fait 34 mois depuis assassinat toute plimaille retirer la vie président Jovenel Moïse et bien pour ka al prend pouvoir sans peuple là les même li pas choisi gros goumen a fait pour pouvoir et petit peuple là li au même lieu lagué des bois pendier sans lui même li pas gagné personne qui pour défendre li n'a continuer chercher justice là jusqu'à ce que di fait teyen président Jojo nous songe donc Martine Moïse li continue à voyer message sous côté li temps en temps qui pas négligé exprimé le jeudi 7 mai 2024 là qui déjà fait 34 mois depuis président Jojo et même li t'a pral perdre la ville malgré justice là dans pays nous cap mal marché côté yo inculpé madame nan yo fait connait comme moun qui t'a fait partie moun qui assassiné propre mari l'information en pile moun pas bay trop importance parce que si madame Jojo li t'a touyé li gen plusieurs façons li t'est capable attaquer président pour touyé bagay qui pas arrivé fait mais pourquoi il est là Martine continue à demander justice pour Marie lui-même qui c'est Jovenel Moïse qui t'a pral mourir mal conseil présidentiel qui l'a pour être pays et bien il a seulement plaidé bataille pour que jamais à quoi qui fait pour publier dans les monité et bien Louis Gérald Gilles lui-même qui t'a prend tête conseil là ça pas jamais fait ailleurs gars pile qui t'a parlé nèg a fait cette tête dans discuter pas grand cap marché parler national pourquoi il là il toujours c'est dans bagaille aller vini et des examen de temps en temps pendant journée jeudi à la fait gros offensif sous parler pendant nèg même il a goumé pour pouvoir peuple là lui-même il continue à noyer malgré dans dernier les ça là police nationale d'Haïti t'a dû recevoir en fin mois mais à Ousmane commencement mois juin 2024 là 10 machines blindées infanterie et bien dans 35 administration Biden lui-même l'était pour mettre pour PNH là en plus l'état haïtien était commandé tout 20 blindés aussi posé joindre lui dans 4 ou 6 semaines selon une source proche confié avec nous-mêmes qui c'est journal les nouvelles qui nous-mêmes nous avons joindre information ça pour nous capable porter pour elle là bagaille eux-mêmes yo vraiment paraît bizarre dans dossier qui est pour avec dossier pays d'Haïti cap sibila et nèg yo même yo continuer à tété mamel yo continuer pa vle bay service nan jan pou ta fèt la et puis ya li même l'ap soufri plateforme réseau organisation société civile haïtien qui c'est POC-24 bay position sous publication décret qui accouché conseil présidentiel capil moun même yo pa vle nan note qui sorti le 3 mai 2024 la côté note de presse si la li même li ta pral sorti plateforme réseau organisation société civile haïtien qui c'est POC-24 et bien nan note pour la presse yo te fait 3 mai
que yo même yo fixé position yo sous décret 12 avril 2024 là qui accouché conseil présidentiel transition à lui-même qui na tête pays ya. Malgré quelques réserves yo gagnent et bien il dit que li sali création conseil présidentiel là et qui choisit sénateur Edgar Leblanc fils pour représenter ou bien pour présider les plateformes réseau organisation société civile haïtien encourager divers secteurs qui impliqués une façon ou bien une autre pour bailler solution avec problème pays les même mettre campé structure organisationnelle qui respecter règles démocratiques pour yo capable rétablir l'ordre et sécurité publique dans tête coulée avec force locale yo dans un temps qui t'a doit tout coûte pour yo même c'est une condition indispensable pour résoudre crise humanitaire avec sociale qui frappe toute couche dans pays d'Haïti et bien qui dirait trop temps déjà de longue selon plateforme nan et bien qui déjà gagne trop temps depuis les crises là les mêmes l'irrité crise ça ta supposé résoudre plus vite que possible qui donc qui dirait trop temps et bien dans sens ça et bien pour 24 rappeler président conseil là lui-même pour lui développer leadership li pour lui rassembler tout membre conseil là dans un seul objectif qui c'est remettre pays à sur route stabilité puis loin yo dit conseil présidentiel là li gagne yon gros responsabilité pour faire preuve de bon gouvernance avec transparence dans décision y a gagne pour yo prendre pour remettre population en confiance et vous fait connaître tout c'est seul dialogue qui a fait conseil là réussi pour ba chance avec écolier étudiant yo chance yo même pour capable retourner sur cou yo normalement même gens ça te connait natan avant yo moun ki besoin joine soin santé yo dit tout li l'élite pour haïtien travail ensemble pour pacifier pays a qui pour elle là li même li tomber malgré yo fait qu'on est pas d'accord plateforme réseau organisation société civile haïtien fait qu'on est pas d'accord mais quand même yo salié publication décret pour elle là décret si là qui toujours dans bouche gomme bouche pas go entre nèg yo parole parler matin midi soir tout le monde les prend pile poste et bien ça qui fait conseil là lui-même lui toujours en problème ou bien pour nous dire lui toujours handicapé pour ta capable bailler service lui ta doué bailler population mais yo même c'est eux même qui gagne pays à Guy Philippe qui t'a annoncé révolution et bien révolution en tabral pas jamais fait côté conseil là lui-même là arrivé installé malgré installé prend travail conseil là bagaille pas marché trop bien mais c'est eux même de toute façon quel que soit lui ou la façon c'est eux même qui dans tête pays à et bien c'est eux même qui là pour ta faire ça yo même yo ta gain pour faire a pays malgré nèg yo pas fait yo pas démontrer yo gain trop envie pour ta faire sinon c'est intérêt politique qui parler mais yo même c'est yo même qui dans tête pays a pour yo ta diriger pays ici là moi lancer phase finale dialogue entre malien pour la paix avec réconciliation nationale moi accouché partisan yo rete avec yon l'esprit franche et puis patriotique pour recommandation finale yo même yo reflété fidèlement préoccupation malien yo message président transition malien li même qui c'est colonel Assimi Goïta li même qui publié journée mardi 7 mai 2024 là côté pays ici là li même qui en transition et bien pourquoi li là pays yo même yo sur route pour prendre bon route qui donc pays africain en pile là dans yo qui en transition soit qui était par coup d'état ou bien par les ou la façon yo même yo déjà metté tête yo ensemble yon façon pour capable faire pays yo marcher et nous même pas beaucoup de pas nous pas comme ça nous pas faire bagaille yo même gens nous simplement rete là n'a goumé pour pouvoir yo n'a goumé pour intérêt personnel nous pas ouais pays avant tout wa adoula lui même qui c'est wa dé exhorter Biden pour empêcher catastrophe faite dans Rafa qui donc Rafa c'est dans dossier qui pour avec conflit Israël Hamas là et bien wa Jordanien lui même qui c'est Abdullah D et bien exhorter président Joe Biden qui c'est président américain Ariel Henry lui même pour lui prendre action pour empêcher une nouveau catastrophe pendant Israël a paré une opération à terre sur ville Rafa dans Gaza qui donc Israël côté premier ministre a déjà lancé opération ça qui ou pas bay vague et bien selon wa Jordanien et bien li exhorter bien fort président Joe Biden yon façon pour le capable comment li capable camper action ça des leaders ont rencontré en privé dans yon déjeuner dans maison blanche là pendant tension montée dans territoire palestinien à cause yon offensive à terre Israël lui-même li menacé pour li lancer dans Hamas et bien Hamas accepté yon entente pour li suspendre bataille
ça qui t'a pral bay espoir et bien jodi m'a dit à là que conflit lui-même l'état fini avant l'arrivée sous septième mois li qui donc nous prenons dans septième mois là et bien Abdoulah lui-même d'après une déclaration tribunal royal lui-même qui nan Jordanie et bien yo averti que attaque Israël sous Rafah côté 1 million 400 000 Palestiniens yo même yo al prend refuge à cause de la guerre Gaza et bien il est capable mener yon l'autre massacre côté wa averti que yon attaque à terre car la cause conflit a gaillé dans région en net. Well, là c'est gros avertissement qui a fait dans dossier qui gagne pour avec dossier la guerre ça lui même qui déjà éclaté depuis plusieurs temps côté pas gain moun yo même qui capable mettre well, là manifestation continue à fait et bien dans majorité pays dans monde là yon façon pour capable mander pour Gaza les mêmes ou bien pour Israël ta campé attaque ou même y a fait manifestant yo dévié l'ordre de la police là nan mit côté manifestant en faveur palestinien que la police bloqué pour pas rentrer dans yon camp manifestant nan institut technologie Massachusetts là et bien qui gagne un petit nom en anglais qui les MIT et bien yo pété route pour traverser barrage là et bien yo kembe mais et encerclé tant que même qui était sous campus là et université Columbia déjà annulé cérémonie par la graduation que était gain pour faire il était déjà annulé li et bien dans toute université après deux semaines manifestation en faveur palestinien yo et bien Sam Hens les même un étudiant maîtrise nan MIT et bien les mêmes qui a étudié génie mécanique ensemble avec un membre groupe qui relait juif et bien pour yon campo et bien en bataille là yo même yo dit que groupe là campé dans camp manifestant depuis des semaines et que yo même y a demandé yon fin dans massacre sous des milliers de monde dans Gaza manifestant yo te chita sous même mitan grand avenue Massachusetts là côté yo même yo te bloqué ria et bien matin là les que moun yo même yo tap kouy pou yal travay nan zone Boston. Pourquoi li la bagay yo pa paraît douce du tout nan dossier ki gen pou avec dossier la guerre à côté Israël li même li pa li campé Israël dit li prend contrôle passage frontière Rafah déjà et bien opération Israël la li même li vini après deux semaines côté autorité israélien yo même yo te dit que yo gen yo offensive nan Rafah et bien te nécessaire pour réaliser objectif yo qui c'est battre Hamas pendant États-Unis Nations Unies avec l'autre avait dit que lancer une offensive dans zone chargée avec civils palestiniens ça yo t'a créé un désastre humanitaire. Pourquoi les la bagaille yo pas paraît bien dit tout dans dossier conflit si là et bien ça pile mobilisation en faveur palestinien qui a fait dans pays États-Unis pour inviter bagaille là les même li rivé bien loin pouvoir palestinien li même li mandé Washington pour empêcher fait un massacre dans Rafah n'après après wa Jordanien et bien pour wa na Palestine yo mande Washington pour empêcher Israël faire un massacre dans Rafah agence nouvelle officielle palestinienne qui c'est Wafa et bien cité parole présidence palestinienne les mêmes qui préciser qu'il y a multiplié discussions sans arrêter avec partenaires international yo sous question ça il déclarer nous mande gouvernement américain pour lui intervenir pour empêcher massacre ça et nous averti que ça pral gen conséquences dangereux. Quel est là dossier ça lui-même l'irrité yon dossier qui assure par rapport de l'armée Israël là ou même par rapport premier ministre qui était déjà fait déclaration qui quand même yon même ouais pas ouais qui faut qu'il entre dans Gaza pour y aller faire une attaque terrestre et attaque terrestre ça qui ont ban réfugié là-dedans et qui capable coûter cher et qui capable faire conflit à lui-même là le plus loin dans région et bien en pile monde pas t'avler dossier lui-même li rivé dans niveau ça là. L'autre information que vous devez connaître et bien faut connaître le 17 mai 2024 là et bien c'est jour que président Wisla lui-même qui c'est Vladimir Poutine côté li prêté serment pour un cinquième mandat qui donc en tout c'est un cinquième mandat en tout li pa prend consécutivement et bien le même mandat c'est la cap pour expirer dans 2030 cap venir là président Luis Rousla lui même qui continue et bien sur l'échelle internationale et bien billet économie et bien c'est l'information que nous gagnons et bien li pral descendre billet 1000 goud Hippolyte là sous tonni li même li pral perdre dans jour cap venir là banque centrale d'Haïti que nous même nous relé banque centrale là et bien
yo annoncé que yo même yo pral venir avec des nouveaux billets l'argent et bien qu'a gagné un billet de 2500 gourdes yon l'autre billet de 5000 gourdes ça pral des nouveaux billets ça eux même qui pral gagner pour ajouter dans circulation économique pays l'Haïti quoi li là 1000 gourdes là li même Hippolyte là qui te gagne gros haler malgré l'argent pas gagne yo vinn chez là te commence à perdre ton ni et bien li pral gagne pour le perdre ton ni selon banque centrale là yo k'ap venir là yo avec des nouveaux billets qui pral venir. Et bien avocat peuple là qui était un bon bout de temps le déposer, il n'a pas parlé de André Michel qui pas jamais fait tweet. Pourquoi il est là depuis avant hier, depuis les moments conseil là, c'est soutenant pour voir tomber dans pouvoir. Et bien il passe suspend tweeté. Côté matin là bien Bonnel fait qu'on est SDP a senti toute bon vrai force internationale là sur route pour venir DPNH la craser gang et puis mettre sécurité dans pays. Merci avec gouvernement Ariel Henry qui demande Nations Unies force là pour Haïti depuis le mois octobre 2022. Merci avec gouvernement Ariel Henry ensemble avec allié Haïti yo dans Nations Unies tant que États-Unis la France avec Mexique pour gros bataille diplomatique n'a rappelo SDP à l'LTB invité Jovenel Moïse mais ça la pile longue que ça laisse ça yo le tirer les des monde ça yo pas vle tant de parler de yo mais pour dernier moment ça yo là et bien SDP a c'est avec yo les fait ami côté c'est yo même la remercier matin midi soir soit sur compte Twitter li et bien lui même lui toujours a posté pour la féliciter yo dans dossier qui vient pour avec dossier force là et force là là pour en pile monde yo déjà preuve là toute bagaille t'a semblé déjà OK là c'est conseil là c'est m'a bon matériau mais force là lui même toute bagaille déjà prêt et bien matériel asdia a construit dans pays d'Haïti pour venir combattre nèg exam yo même k'ap bay population a tout genre de problème et bien carotte là li semble déjà kouit là. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec ou même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier youn nan pi meye façon que ou ka fè ou capable fè santi travail n'ap fè arrivé sou c'est le ou kite yon like sou vidéo a et le ou abonne avec channel la tout. Pas oublier activer ti cloche notification a mettre sou tout yon façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous pote yon nouveau vidéo pou sou channel ça. Partager vidéo a avec yon zanmi ou yon fami ou yon façon li même pour capable joine information a tout et comme ça ou aider nous grandir communauté channel la. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe et bien ou pas regret même une seconde côté te abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.